disant même faut nous connaître qui côté bah yo fait parce que là ça même li très facile tout le monde a pralé mais yo ralé bouda yo prend pa yo pas vrai timoun. Eh bien enquête l'a précisé son économie criminelle qui gagne en Haïti et question hein c'est qui Jean Zam États-Unis Zam qui sorti États-Unis alimenter violence gang yo en Haïti pendant des années. Eh bien t'es toujours gagné des groupes armés qui plonge Haïti dans des troubles. Il est toujours gagné des discussions en Haïti. Mais volume ZAM qui pral sorti là ZAM pour arriver en Haïti. Et ben bagaille ça pral faire Haïti passer non l'autre level ti moun, non l'autre catégorie. Je ne jodi a n'a assisté à attaque gang yo a fait sous capitale la Port-au-Prince. Mais Haïti pa gen izine zam, Haïti pa gen izine bal. C'est le Rosie Augustin du Sénat qui c'est avocat qui travaille pour NDDH. Donc zam ammunition yo k'ap circuler en Haïti et ap simen la terreur en Haïti au gon côté au sorti. Zam de point sa yo avec zam de feu semi-automatique et même zam de type militaire. Et ben toute gamme zam sa ammunition sa yo k'ap entrer en Haïti. C'est des bagailles qui largement incontrôlés, qui bénéficient donc d'un contexte qui sont faiblesses l'État par contrôler frontières, qui par contrôler port et donc difficulté pour surveiller territoire pays a, mais tout yo sont sur côté. Haïti t'es toujours qu'on a gagné des instabilités politiques chroniques là-dedans, t'es qu'on gagne intervention militaire étrangère, élite commerciale pays a t'es très corrompu et t'es toujours très corrompu. Mais situation pral aggravée après assassinat Jovenel Moïse, pral gagner un vide dans pouvoir Ariel Henry qui c'est leader qui pral monter à caretaker là, il pral wel comme on est qui très illégitime et violence gang nan pral dégénérer net côté journée jodi a gagné pratiquement 200 groupes gang. Bam dit bien gagné pratiquement 200 groupes gang qui a opéré dans tout pays a. Selon Nations Unies, gang sa yo contrôlé environ 80% de capitale la Port-au-Prince. Alors et gen pile moun ki di Fernando bien apprécier ça ou respecter patrimoine humain. Alors mais évidemment et parèm toujours apprendre moi pour me dire merci. Lorivon Koto dit bonjour. Oui, Lorivon Koto dit honne, l'ap déplace dit au revoir. Ça aussi savoir vivre élémentaire que ou apprendre la caillou. Regardez bien, est-ce que j'aime moi gon moun ki bay étoile bo ici m'a dit le merci. Faut regarder bien. Ça aussi savoir vivre élémentaire que on prend la caillou. On moun ta kou professeur de Grange, c'est pas nan ti parole, ça seulement ta kaye avec professeur de Grange. Professeur de Grange c'est mentor moi. M'pa côté miya sa professeur de Grange, voilà. Professeur de Grange c'est nèg qui album on qui a aiguisé appétit moi. Professeur de cal aiguisé appétit moi. Il faut me dire juste jour et jeudi à professeur de Grange a veillé sur moi toujours. Ou t'as dit me fin chapé non l'a veillé sur moi. Moi dit me prendre le jeu golf le samedi. Professeur Ariel, écoute Fernando, tu dois passer me voir. J'ai quelque chose à te raconter, tu dois passer me voir. Oui, écoute m'a dit chauffer à casser tête tourner dans le cas professeur de Grange. Oui, pour mal prendre leçon. Par grand monde n'a gain coup toujours dans même, il gain quelques coups pour le ban moi. Vous avez là il gain quelques coups pour le ban moi, il gain coup toujours dans même. Vous allez le coup dans même toujours le coup pour le bas moi. Je dis écoute Fernando, dis-moi et comment les enfants. OK, ils sont maintenant en âge d'aller à l'école. Ils vont à quelle école? Je dis ouais. Ah voilà. Où va faire ça mon cher? Il faut choisir les meilleures écoles possibles pour les enfants. Oui, tu es en mesure de payer, il faut choisir les meilleures écoles possibles pour les enfants. Oui, on va choisir l'école, on va choisir l'école pour Timounio, on choisit bon l'école pour Timounio. Et si oui, moi-même j'ai jamais été riche, mais mes enfants ils ont fréquenté la Ivy League, ouais, ils ont fréquenté la Ivy League, les universités les plus huppées. Moi j'ai fait Harvard et mes enfants, eh ben il y a un qui a fait MIT. Oui, c'est comme ça les gens. Oui, on va choisir l'école Timoun, faut choisir bon genre l'école. Oui, pour Timounio, allez Timoun, choisis l'école qui gagne dans figure. Bah l'école là son espace de rencontre sociale que l'école là est pour moun ki pa konnen. L'autre moun nan zanm li bien malheureux seulement. Gambil chans pou malheureux. Bah c'est qu'il ti malheureux seulement gen. Oui.
Si mon équipe t'y malheureux seulement le gars, je suis malheureux tout. Alors que mon équipe t'y grand là, on peut le plus facile grand tout. Les gars t'en gagnent quoi Dieu parce qu'en plus faut nous barrer nous contre deux milieux yo, milieu social yo, yo dit en pile de moun yo. Pas il faut chercher milieu social yo dit en pile tout. Pas il gagne des codes. C'est dans milieu social là on prend quand même. Même sous temps de haut est-ce qu'il doit être même longueur sous terre ou pas même longueur de toutes les manières grand pile bagaille c'est des codes yo il faut qu'apprendre code yo tout pas aucun droit ça même gagne en pile l'autre bagaille mais on petit bail on petit détail tombeau on petit détail tombeau parce que gon code ou pas gagne dans milieu ou imagine on monde diplomate li pour un monde qui pas connait manger à table ou pas le cotonou là li cotonou au Bénin li au Bénin kay petit li c'est diplomate ou t'as l'air là le diplomate pour les États-Unis bien sûr donc qui c'est diplomate au Bénin donc les Aracos kay petit donc il y a des codes ça même bon série de milieu yo yo mandé des codes ça yo lo gagne yo ka passer avec yo alors vous me tourner dans code gang yo yo même ces amis y a acheté mes amis yo faut nous connait côté amis yo fait ça amis yo fait tout l'autant des gangs n'a contrôlé 80% dans la capitale là il y a quelqu'un qui a laissé faire évidemment Ariel Henry a laissé faire le type. Nous autres parlons de caretaker, prime minister. Mais il n'est pas un caretaker, c'est pas un bon papa. Ce n'est pas un bon parent. Ariel Henry a abandonné la capitale au gang, évidemment, gang, il mettait le dehors tout. C'est ça, Aurélie Karma. Karma is a B-I-T-C-H. Est-ce qu'autant des amis par Marjorie Milford? Alors, Marjorie Milford, c'est ancienne étudiante de grunge tout. Marjorie Milford, je suis en bas live, là, on va calaguer, toi. Le problème, là, ça. En tout cas, gang, yo, qui ont utilisé des méthodes de plus en plus sophistiquées, pour yo ka fè avanse activité yo et agenda yo. Financement zam sa yo et l'autre opération gang yo, c'est l'argent sorti dans cadre trafic drogue, dans cadre kidnapping, dans cadre extorsion Patrick Pierre et l'autre activité criminelle qui a fait. En Haïti, l'ONU dit le constater gain 2410 moun que yo kidnappé pour seulement année 2023, pas oublier non. M'a précisé ça et moun yo comptabilisé parce que grand pile moun yo kidnappé. Moun sa yo pa informé aucun moun. Est-ce qu'autant des hommes de moun yo kidnappé, il dit kidnapping en cachette. Gen 4789 moun qui malheureusement mouri en babal. Ni moi ni ou konnen tout gen moun qui pa comptabilisé. Ça dit ça en augmentation, soit regardez chiffre là, de 119% par rapport à l'année précédente là. Fin janvier, chef office Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, qui est le Gadawali évoqué donc prolifération zam qui gagne en Haïti yo. Quand elle t'a lancé un avertissement par le Conseil sécurité Nations Unies. Il t'a dit que gang yo continue pour yo gagner accès avec pile zam à feu très très sophistiqué. Eh ben yo aurait été capable là pour yo soumettre population à un rêve de terreur et pas oublier non. Un mois après ça pourra le faire. Si monsieur vivant sam yo qui pas veut vivre avec nous. Eh ben tant que gang yo y a gagné accès avec pile zam sophistiqué ça yo et bon pas besoin virer bouchou de bo virer gros trois bon gang ça yo va le ca soumettre population avec des actes terroristes yo plus que 360 000 moun déplacés à cause violence gang yo là en Haïti pendant m'a parlé n'a parlé là de chiffres yon pays qui en guerre. Programme alimentaire mondial dit que pays a confronté à une crise humanitaire et à une menace de famine. Famine n'a vle dit, moun kap mouri parce que yon pa ka manje. L'autant dit yon parle de famine. Famine nan se situation où moun kap oblige mouri parce que moun sa pa ka manje. L'autant dit yon parle de famine. Famine nan yon sa vle dit. De moun kap mouri parce que moun sa yon pa ka manje. Donc moun nap mouri. Ça dit, juste imaginez en même 360 000 moun non pays. 360 000 moun nan yon pays ki yo même en déplacement. Les moun nan déplacement, ils disent s'il dégonti comment est-ce que ça va là encore. Et ça a dit. Eh bien, on dit c'est dit pas qu'on est exactement qui chiffre nombre de zam qui en circulation en Haïti. Mais gon rapport de l'ONU qui cite Commission nationale haïtienne pour désarmement, démobilisation et réinsertion avec le CNDDR qui estime qu'a gagné en Haïti en circulation 500 000 zam légal et illégal. Par contre, c'est l'autre détail. Kagen là en circulation en Haïti 500 000 zam légal et illégal. Al Jazeera dit pas en mesure vérifier allégation ça. Mais juste fait calcul même si c'est 10% dans sa lille l'empile. Eh bien Robert Muga qui lui-même c'est auteur rapport Nations Unies hein, et cofondateur Institut IGA-REP,
qui sont groupe de réflexion. Alors, Igarapi, ok, Brésil, au Brésil, déclaré que statistique précise là, yo pa konnen, mais la plupart des armes à feu qui en circulation et munitions, yo, c'est des armes qui trafiquées, qui sortent donc aux États-Unis, James Casimir, qui a plagié étoile en bas live là. Mon gars dit, 80% des armes à destination Haïti que yo saisi et que yo soumet à traçage, Bureau américain de l'alcool, du tabac et des armes à feu des explosifs ATF là, entre 2020 et 2022, montrer que les armes ça ont fabriqué aux États-Unis. Donc 80%, plus que 80%, dans les armes qui ont été retracées, les armes, montrer que les armes ça ont sorti aux États-Unis. Je dis presque 50% dans les armes ça, c'est des armes de poing. Et 37% là-dedans, c'est des fusils, donc des fusils semi-automatiques. Trafic fusil pour aller en Haïti, ya, li éclipse transfert sa yo kap fait dans l'autre pays Caraïbe là, parce qu'en Haïti c'est côté où vous voyez plus zam, selon Matt Schroeder qui c'est chercheur principal, groupe de recherche Small Arms Survey. Et bien dans zam sa yo, gen des fusils semi-automatiques qui sont même très très populaires, si ça manche long nous avec barbecue M4, qui sont aux États-Unis, et yo même yo ka utiliser avec des chargeurs de grande capacité. Ça dit qu'à chaque 64 balles, ouais, Amdou l'a quitté le marché. Dernière année, ça y est. Zam ça y est qui destiné à Haïti. Eh ben, y'a gagné là-dedans des fusils AR-15 et des AK-47 qui c'est Zam Kalachnikov nous connaît. De plus, au moins gagné deux fusils calibre 50. Calibre 50, là, c'est moun qui sont vrais Zam de guerre. Qui semblable avec sa tireur d'élite, l'armée américaine y'a utilisé. Yo te saisi yo pendant yo ta pral voye en Haïti. Oui, enquête la dit nous yo saisi des armes ça yo, des fusils ça yo qui c'est des fusils M50 calibre 50. Deux fusils de calibre 50 qui semblable avec sa tireur d'élite militaire américain, on va dire M50, désolé tireur et calibre 50 que tireur d'élite yo sniper yo utilisé ya. Yo saisi dépendant yo en Haïti. Mais enquête la dit il pas connait comment écrivé. Lo saisi do pas connait comment écrivé. Combien de fusils ça yo qui gèt en Haïti déjà? Mais le fait que yo ka saisi modèle ZAM ça, c'est un signal d'alarme qui montre situation en Haïti, nous pa konnen pou ki lè nou la. ZAM ça yo, c'est des armes qui extrêmement puissants yo yé. Yo fait pour des engagements de longue distance et yo ka atteindre des cibles, m'a parlé au fusil calibre 50 là, jusqu'à 1 km et demi distance. Ba m redou li bien. Ou ka kampe zan mam sou chèd baslo ti won nèg nan chavan avec zam sa. Ou ka atteinn les cibles jusqu'à 1,50 km de distance avec zam sa, pa bliye zam nan li gen longue vue tout, ou ka fon ti gade ti moun li gen viseur. Yo utilize tout yon cartouche de munition qui aussi gros que plamen. C'est à dire pa besoin parler de gilet pare-balles. Pa gen gilet pare-balles pour zam sa. Pas gen gilet pas balle pour lui. C'est à dire munition que fusil M50 la prend, hein? Li même longue avec plamen. C'est pas moi même qui a parlé non ti moun. En avance. Généralement, zam qui destiné à Haïti ou est-ce qu'autant de Patrick Pierre et 3 l'heure de ce live et qui sorti aux États-Unis, c'est souvent des hommes de paille qui acheté. Des hommes de paille, par contre si nous songez histoire Tion Yon. Vous connaissez Tion Yon? Si yon yon qui lui même te gen ménage li, qui t'a fait toutes ces photos de ti bout en bas pour li, et puis ti ménage qui t'a fait photo de ti bout en bas pour li, et puis c'est comme ça en même ti ménage la tombé abdou nous c'est marozo, nous c'est 400 marozo, et puis même ti ménage ça lui même pral trouvel nan parole pour ti ménage ça a fait crédit, tout crédit possible et imaginable ba li. Et ben oui, là n'a pas les nous la même de un bagage qui pas fonctionné. N'a pas les nous la même d'une situation réellement pas fonctionner dit tout. Donc monsieur est en prison et puis il a fait commande zam à travers ménage li va chercher un détoile l'autre jouet qui au même c'est vieux garé et puis vieux jouet ça au même pour y aller faire service ça pour lui emmerder les monde. On va demander me causer m'pas bon causer. Donc ou d'accord avec moi dans circonstance ça grand pile en pile zam qu'a acheté. Ah oui, dans circonstance ça, ti moun gen en pile zam k'ap ka acheté dans circonstance ça.
Ça dit là ça va acheter ti moun, c'est zam ka acheter dans circonstance ça ti moun, en pile zam ap capable acheter dans circonstance ça. Paye toujours gagner mesdames qui baiser madame chef. Ça c'est un. Mais toujours gagner tout mesdames ça ou gagner quelque l'autre Jacques ou pied cap fait pied derrière yo ou bien quelque l'autre moun yo ka payer qui pour acheter zam pas oublier aux États-Unis. Droit pour porter zam dans son bail qui légal lié. Donc en pile moun capable aller acheter armement ça yo. En pile moun capable acheter zam sa yo pour ka faire trafic zam nan. Et d'ailleurs par contre si n'a sur jugement si yon 400 marozo qui était dans prison en Haïti dame nan et dame nan il ménage yon lte il t'a acheté zam pour mari li et zam sa yo t'a pas le mettre dans des doum pour yo voyer en Haïti et puis 400 marozo t'a pas le chercher yo. Ça donc c'est un circuit que le très très difficile pour combattre circuit ça. Parce que c'est vrai, ce combat est privé, pas oublier message WhatsApp, yon pile moun ba wè ça. C'est encrypted, end to end. Ça dit, moun nan gen téléphone WhatsApp, li nan prison, ou bien ba nan prison, et puis le gon moun États-Unis, la fachete zam pou li. Moun nan pral mette zam nan moun da télévision, pral mette zam nan doum, pral mette zam nan boîte, et puis le voye bali. L'autre an de ap saisi zam nan port de paix, nou wè ki jan ba la passe déjà. Ça dit, ça c'est un bagay qui est extrêmement difficile, lo ap combat li. Parce que le combat li, c'est presque un bagay privé, presque. C'est très très difficile. Donc ça relie homme de paille là, donc il y a des individus qui achètent des armes comme bah ils nomment des revendeurs aux États-Unis et puis ils vont dissimuler achat ça pour avoir les armes en Haïti. Mon gars qui a travaillé donc pour l'institut IGRAP au Brésil déclare qu'il acheteur ça yo ciblé état américain côté loi sous amafeu relativement laxiste. Bon, certains nombre d'états aux États-Unis ou pas besoin pile d'informations pour acheter des armes. Des états tant que Arizona, des états tant que la Georgie, le Texas, la Californie et la Floride, et ben c'est des états côté loyaux anti-jean laxiste, donc on capable acheter zam nan et puis voilà, ça quoi le fouer gars ti moun. Si moun cap konnen zam ça té là ou bien pas de là encore. Et pas oublier ou préciser que États-Unis gagne deux ports majeurs notamment North Miami et Florida, yo, Port of Miami qui au même gagne de liens culturels étroits avec Haïti. Parce que la Floride là située à 1100 km de Haïti, a dit à moins que 700 miles de Port-au-Prince, région Miami, hein, li abrite plus grande communauté diaspora haïtienne aux États-Unis. Ça a dit un gain moyen, deux gain toute disposition. Gain pile en pile haïtien qui vit Floride. Floride où tout le monde achète des amours presque. Et au gongo dans ton port qui a fait business avec Haïti. Ça a dit pour zam nan vin en Haïti a ou est toute condition yo réuni déjà. Oui. Et l'on fin acheté zam sa ou donc yo bal acheminer li clandestinement vers Haïti par voie aérienne, maritime et terrestre. Alors terrestre pa bliye non, gon pati nan zam yo kal Saint-Domingue, zam nan ka antre terrestre. Donc frontière Haïti yo selon sa mouga pour expliquer, c'est des frontières poreuses, pour ça dit des frontières multitour qui l'autre frère d'or. Oui, qui l'autre Madoche Ajax. Vous t'en avez vu là, qui l'autre Niki. Oui, qui l'autre Fredo, qui l'autre Miltito. Donc, frontière Haïti, Timoun, frontière Haïti a son frontière poreuse. Qui capable de faire face avec toutes sortes de contrebandes net ou qu'on est gagné, puis arrive bien des mes amis, bam. Y compris des armes à feu. Y compris des munitions illégales. Eh ben, une fois que vous finissez d'acheter des armes, ça y est. Eh ben, les amis, vous allez acheminer clandestinement vers Haïti, Timoun. Alors, Haïti, a, c'est ça où il est, on espace de pillage, c'est ça Haïti a Haïti moun. Haïti a son espace de pillage que Haïti a Haïti moun. Oui, Haïti a son espace de pillage. C'est-à-dire ou même ou là zanm moi suivre, on regarder bagay yo et puis nous là, n'a suivre tout. Mais Haïti a Haïti moun son espace de pillage. Oui, c'est ça Haïti a Haïti moun, un espace de pillage. C'est-à-dire vraiment gen pillage, en pile pillage en Haïti ti moun. Haïti a bay pillage, Haïti puis mal pas son tout pillage. Oui, Haïti a son tout pillage li. Mm-hmm. Donc Haïti a tout moun ka rentré. Fou ou sorti floup. Oui oui, gon moun ki di m ki l'autre la ki l'autre pour le vent bat kon bosa non ti diane ki ban bosa ti diane papa mboko wè ki l'autre non fòm ta konnen pou m ta konnen de ki sa vle pale m pa ko wè modèl ki l'autre sa non montre m pou la pou m ka wè ki modèl w ap pale yo rele sa pour le vent m pa konnen non pou yo fò m tande l papa yo di pays d'Haïti gen un littoral de 1771 km². Ça dit pays d'Haïti, ça même c'est littoral seulement le gars. Il dit bateau qui a accosté n'importe côté en Haïti. Ça dit plus que 1100 miles kilomètres. 1100 miles
que Haïti gagne pour la vie bon arrivant l'ambé. Yo dit Haïti tout partage une frontière de 360 km avec République Dominicaine, c'est-à-dire 223 miles. Les disposer tout de en pile piste d'atterrissage secrète, c'est-à-dire des pistes clandestines côté ti avion qui atterri. Yo dit tout Haïti gagne des ports privés. Zami a dit oui pour la fito, on va privé lié, bah il n'a pas parlé non. Yo dit pour privé, bah dit la fito, c'est où qu'a mettre la fito. Yo dit tout Haïti gagne des routes informelles. Route informelle là ça dit route gang nan konnen, l'autre monde pas konnen, et bah route normale yo e. Côté zamafe capable entrer clandestinement. Il a précisé toujours et c'est Mouga qui a parlé. Gagne yon combinaison élite politique, économique, gang et société sécurité privée qui a acheté zam. Nous songe m t'aller en tab di nou et France LB, monsieur c'est DG la police. Nous sommes d'abord nous France LB gagne compagnie lui-même qui a bail sécurité. Nous sommes te dire l'organe compagnie qui a bail sécurité. Y a une raison pour compagnie qui a existé. Faut pas gagner sécurité dans le pays. Ya. Vous savez que dit la fin nous. Qui ça me dit? Il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Si nèg la DG la police, il a une compagnie sécurité Timon. Si il a une compagnie sécurité comme DG la police Timon, qui ça fait pour compagnie la marché? Faut gagner sécurité. Qui rôle DG la police? Faut le bail sécurité. Par contre ça veut dire conflit d'intérêt. Côté puis arrive bien des qui li nan go liv, des Canada, des Galles, col Canada, pas la même. Ou on ça veut dire conflit d'intérêt. Ou bah ouais, gon conflit d'intérêt. Donc gon nèg li même qui a bail sécurité et puis gon l'autre li même qui a travail non compagnie sécurité. Eh ben si la police fait travail li bien, ça va compagnie sécurité elle bien obligé écraser. Donc mais dit ah mon cher, son bail s'est plié. On bail s'est plié ti moun. On est qui gen mog, qui ça pour fait pour ka pour mog la marché. Moun ki pou mouri. Sèl bay pou mog marché zan, pou mog la marché fò gen moun mouri. An avanse ta ditim. El be gen business li la, sou sécurité a, et vin a vin parler l'aide la. En tout cas, expliquer nous gen yon combinaison élite politique, économique, gang yo et des sociétés de sécurité privée qui a acheté zam nan men divers sources et importé zam sa yo par des vols clandestins en Haïti, ça veut dire ti avion k'ap pote zam sa yo. Yo emballé autour dans fret ça dit dans boîte dans doum et yo transporté yo par des mules à travers frontière terrestre grâce à gang criminel ça qui contrôlait principaux points d'accès et distribution à travers pays a notamment port yo entrepôt yo et route yo et ben yo en mesure pour yo déplacer zam ça yo en toute impunité gon récente affaire pénale ça m'a parlé nous qui impliqué responsable chef gang 400 Marozo avec les jolis Germine c'est monsieur Mrelé Tionyon hein qui a montré comment trafic zam nan fait en Haïti selon ministère américain de la justice Tionyon Germine et bien ordonné à membre gang yo pour transférer l'argent bay des moun en Floride pour acheter zam pour lui et moun sa yo conspirateur de acheter zam sa yo nan moins que 24 heures de temps la den yo des AK-47 des AR-15 et un fusil de calibre 50 dans des armureries, ça existe des côtés au vendre zam légal pratiquement dans pays dans état Floride. Il y a prétend faussement que zam ça yo c'est yo même qui vrai acheteur alors que yo bal pour transférer zam ça en Haïti. Zam ça yo kounya bal déguiser yo en nourriture et yo bal mettre dans des articles ménagers et yo bal introduire yo clandestinement en Haïti dans des conteneurs d'expédition l'autre dia voyer conteneur en Haïti. Et bien, Germine, li plaide coupable en février qui s'est passé, ya, pour rôle li, dans stratagème, ça, il a obtenu condamnation, je ne veux dire, ya. Gon l'autre co-conspirateur, li, qui te plaide coupable en dépassé, et qui condamné à 60 mois prison, 28 février qui s'est passé, ya. Gang 400 Marozo, Germine, gagne, ya. Et bien, c'est gang qui fait enlèvement, notamment enlèvement missionnaire américain et canadien, yo. Gang ça tout, t'es publié en vidéo, quand elle t'a exigé un rançon de 1 million de dollars, par tête de personne qui n'amène. Oui. Brian Concannon, qui est directeur exécutif institut américain pour la justice et la démocratie en Haïti, déclaré que le problème fondamental là, c'est que les États-Unis gagnent pile zam. Et c'est un sujet qui n'est pas vraiment réglementé aux États-Unis. C'est-à-dire, mon aux États-Unis, eh bien, ils ont accès à zam. Small Arms Survey estimé que civils américains ont gagné presque 400 millions d'âmes à feu dans main. Ça a dit gagne 11 armes à feu et ben oui dans pays il y a pas personne
et 40% de la fée illégale qui est dans le pays à tout, c'est aux, dans le monde là, c'est aux États-Unis, oui. Et ben, quand Kano reconnaît, alors, ça va faire que les civils me disent illégal, désolé, bah, illégal, bah, c'est la loi qui peut mettre mon gain. Quand Kano reconnaît que le gouvernement américain, hein, et ben, a gardé pour le sale café, mais le gain n'est pas fait assez. Et mes amis, gain, pile, zam, cap vini en Haïti. Parce que bateau, ça y est, et ben, oui, y'a manqué inspecté, donc faut t'a inspecté au plus. Y'a voué en pile, zam, ton République Dominicaine. Et zam sa yo fè yo travesse Kounia aller en Haïti. Nan route trafic zam nan, et ben gen route trafic zam zam kote yo ta arrêté, ne jis ak se Eliezer Sori Rodriguez qui est 51 ans que yo condamné à 5 ans de prison aux États-Unis parce que il te prend des dizaines d'armes à feu, li prend avec munitions sorti aux États-Unis pour aller en République Dominicaine. Pas bien les wal vann zam nan gang haïtien, zam nan pral vann pour prix tout. Oui, zam nan pral vann pou pri le ou pral vann avec Haïti zam. Donc ça va passer, Haïti a pran gol tout côté, tout côté, tout côté, tout côté net zam. Yo expliqué que gen un mécanisme de sanction et d'embargo sous zam que l'ONU a voyé en Haïti yo qui est en place, notamment yo pran sanction contre chef gang Jimmy Cherizier. Yo dit il pas ka voyager, mais pas trop voyager déjà, non soit dit pas ça. Bien sûr, je ne pas voyager déjà, je ne pas voyager. C'est du pareil ou même en avance, c'est tout. Mais selon mon gars, réalité à Zamam, tant que gain offre là, et tant que demande à ma feu à élever et munitions à élever, eh bien, trafic Zam pour sortir États-Unis pour aller en Haïti à son bail cap continuer. Les ajouter, c'est pas seulement parce que gain des dizaines de milliers de points de vente au détail aux États-Unis, mais aussi parce que gang en Haïti au grand appétit. Gang criminel en Haïti yo pou yo kachete zam. En Haïti, contrebande zam nan aggravé par plusieurs facteurs nationaux qui montrent que pays a pa gon l'état fonctionnel, gen yon corruption endémique et gen gros gros tonton lien entre gang yo policiers avec des hommes d'affaires. Pays d'Haïti classé en 172e rang sous 180 pays comme pays pi corrompu gen sous la terre. Et la police nationale d'Haïti manque ressources et gen la police tank manqué agent. Donc zam yo yo entré en Haïti tant que tu gen droit pour ton sac d'iris sur à l'étranger selon sa Yudlin Cherizard qui sont criminologue haïtienne qui va la cage Azira. Donc l'op voyon zam en Haïti c'est tant que t'as voyé un sac d'iris en Haïti. Selon rapport 2023, est-ce qu'autant des pieds arrivent bien mes amis parmi toi lors de ce live, bravo pour les moins s'il vous plaît. Selon rapport 2023 ONU DCA, zam sa yo, c'est des armes de poing, yo vend entre 400 et 500 dollars en Haïti. Alors, aux États-Unis, désolé. Alors, ce que les Bralvo yo en Haïti, même zam nan rive à 10 000 dollars. Par contre, si nous attendez ça, nous disons, bon, me dis-moi, quoi. Même zam, que vous achetez pour 400 dollars aux États-Unis, eh ben, zam sa l'elvin en Haïti, zam sa vend jusqu'à 10 000 dollars. Même zam que vous achetez pour 400 dollars, Patrick Pierre, zam sa l'elvin en Haïti, la ka vend jusqu'à 10 000 dollars. Ça veut dire, ils font plus-value, je ne sais de combien. Ça veut dire, ZAM n'a pris à multiplier pas plus que 20%. On ZAM pris le multiplier pas plus que 20%. Ou d'accord avec ZAM. Son ZAM, ou qu'a presque dit se sauver, mais son ZAM qu'a majorité. Ça veut dire, gain côté pour moun n'a pris un risque, plus que 20% moun. Ça veut dire, gain côté pour moun n'a pris un risque, plus que 20% moun. Plus que 20%. Plus que 20%, hein. C'est énorme, énorme, énorme. Même 20%, désolé. Plus que 20 fois, m'a dit 20%. Oui! Quand on vient calculer, m'a dit, plus que 20 fois, m'a dit plus que 20%, désolé. Ou acheter ZAM dans 400, 500 dollars. Même ZAM, son cavan, 10 000 dollars. Qu'on est qui dit, Jésus va le boule venir. En où est ça? Non, monsieur, Jésus va le boule venir. Même ZAM, ça, t'imoune, cavan, jusqu'à 10 000 dollars. Donc, 20 fois la valeur. En Haïti. Chérisa a expliqué que Haïti gagne des lois qui réglementaient possession d'armes à feu dans la Constitution 87 l'IA et décrets ultérieurs. Mais ni pouvoir judiciaire là, ni force de l'ordre, ni aucun ministère dans le gouvernement, n'est pas en mesure pour contrôler la propagation d'armes à feu en Haïti. Elle expliquait donc c'est retard qui gagne dans le système judiciaire là. Et pour l'IS là, dans le contrôle des armes à feu qui augmenté progressivement permissivité. Et permissivité à celle d'une norme là. Est-ce qu'autant de Madoché à Jacques si c'est gratté live là? Cherchez comprendre sa situation, on l'a dit. Pas de moun y a condamné. Pas de moun y a arrêté. Donc, pour qui ça, on moun li même qui a rentré les amis, il peut rentrer. On commerce li acheter les amis pour 400 dollars, vendre pour 10 000 dollars.
expliquer toujours que il y a des hommes d'affaires et des hommes politiques qui ont même impliqué et profité de Zamafus à Okapvini selon des groupes de défense des droits des Haïtiens. Eh ben, gain saisi Zam qui a fait toute journée dans port de paix sous côte et nord-est pays, nord-ouest pays a qui sorti dans bateau en province de la Floride. Et gain un moun yo accusé qui impliqué avec ça, qui même ses propriétaires yon bateau yo arrêté. Mais quelques temps après, yo recevoir l'autre pour libérer monsieur. RNDDH expliqué que selon information le gain, c'est pratiquement 200 000 dollars que t'es bail à plusieurs membres pouvoir judiciaire là pour yo capable faire la guerre monsieur. Il y a un ancien responsable haïtien qui également fait allusion à implication membre éminent société à notre trafic ZAM. Donc, moun qui a vendu ZAM en Haïti ou moun qui a importé ZAM, yo, yo gen bon numéro, yo gen bon contact. Donc, résoudre ça, c'est vraiment un défi de taille que lié. Parce que chaque maillon en chaîne en Haïti, son pays est lié. Donc, yo du tout. Faut gang yo pa fin libre jap liv la. Et ben Schroeder expliqué, faut réprimer violence en Haïti, cela va sans dire, c'est un élément essentiel. Mais puisque Haïti lui-même l'a bien moins anarchie la donne, alors qu'a commencé renforcer mécanisme de contrôle yo. Et ben selon Cherizard, Haïti besoin un gouvernement qui refusait entrer en collusion on veut dire pour le rider dans saucisse li, pour le mari reine, pour le mari saucisse li avec groupe armé yo. Et engager donc pour décider de lutter contre insécurité. En jeu selon ça le dit, il va pas plus élevé que ça pour population haïtienne qui lui même bouquet qui a bout de souffle. Et ben je vous dis, c'est pas seulement une crise politique et insécurité qui en Haïti, c'est une crise humanitaire tout court qui en Haïti. Il y a des endroits qui commencent à manquer de l'eau. Population pas capable encore, nous vraiment au bord, comme je dis, au bord d'un précipice. Ça a été nous presque tombé dans tout. Ça, c'est enquête Al Jazeera, qui c'est télévision Qataria, fait sous dossier ZAM en Haïti. Alors,